j'étais jeune, j'avais envie, et c'était mon tempérament, de monter sur ces sommets. Et je me disais que ça serait fou quand même de monter là-haut, de toucher ces pointes. C'est vrai que mes rêves ont commencé par rapport à ce fameux Gervin. Il a essayé de mettre la pierre à l'édifice. Donc j'avais réalisé, et c'est vrai que les années ont passé. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, et par rapport à ce projet, en fait, c'est essayer d'amener une part de progrès. Alors peut-être dans la discipline ou dans la façon de voir la montagne. Quand je la voyais plus jeune, ça me paraissait fou de faire cette trace, et même impensable. Finalement, quand on y va, quand on touche du doigt, on se dit, il y a peut-être une discipline à mettre en avant, à peut-être inventer ou donner des idées peut-être aux autres pour essayer d'avancer. Donc c'est à partir de là que j'ai voulu faire ça, quoi, ce projet-là. Ce projet, moi, je le voyais avec quelqu'un avec qui je pouvais partager les mêmes idées. Et Jean-François, c'était vraiment la personne qu'il fallait, qui a le même point de vue que moi. Et il a un passé maintenant de trailer et surtout de montagnard. Il a une très bonne connaissance du terrain et je pense que c'était l'élément idéal, hein, le partenaire de cordée idéal pour aller au bout, quoi. Finalement, donc ouais, l'itinéraire, on l'avait dans la tête, on avait posé plein de questions, mais il fallait vraiment faire pas mal de recos pour toucher du doigt et pour vraiment faire sa trace. Hein, se dire, on passe là, est-ce qu'on passe, est-ce qu'on y arrive, avec quel matériel. En fait, on a décidé de jongler avec les faces nord, les faces sud, pour trouver une ligne, pour ne pas avoir besoin d'utiliser du matériel. Enfin, on cherchait vraiment la limite pour garder vraiment un esprit, hein, d'alpirunning. Hein. On a réussi à trouver vraiment un itinéraire qui nous correspond et une trace qu'on invente, et c'est ça qui est beau, quoi. Premier sommet de la journée. Dirigeo i dei armati paurando l'indomani. Oh mio chantier. Ta vie sera signée ainsi.